Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Pixel Barbecue TV, c'est Berry qui vous parle. Aujourd'hui, on va jouer à un jeu de cartes que je ne connais pas du tout, que je vais découvrir avec vous. C'est de Elder Scrolls Legends, le jeu de cartes tiré de la série, la fameuse série des jeux Elder Scrolls, qui sont d'habitude des RPG version first person. Et ils ont sorti, un petit peu comme tout le monde, j'ai envie de dire, un jeu vidéo basé sur les cartes à jouer que l'on va découvrir ensemble. Alors c'est un Berry First Play et comme son nom l'indique, je vais vraiment le découvrir avec vous. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Bien, on va commencer par l'introduction. Chemin des anciens nous montre ce qui fut et ce qui adviendra. Et ils m'ont révélé beaucoup de leurs secrets. Épargnez-nous vos histoires, vieil homme, à moins qu'elles ne puissent aiguiser les lances. Notre chef de une chose que j'aime beaucoup, nos ennemis se rassemblent pour une c'est autre l'esthétique. Nous devons nous préparer au combat. Si vous êtes joueur de Magic ou si vous êtes joueur de Spellfires, ce qui était mon cas, et eh bien c'est exactement, exactement le style graphique des Donjons et Dragons. Terminé ici. Les histoires peuvent avoir des effets surprenants, demoiselle à la lance, qu'elles soient véridiques ou non. Et vous devriez écouter celle-ci. Elle vient de la Grande Guerre, celle qui a failli mettre fin à l'Empire. Tout a commencé quand les hauts elfes se sont mis à massacrer toutes les lames impériales. Ils se faisaient appeler le nouveau domaine Aldhéri. Et avec leurs alliés, ils ont fait place nette dans les terres. Ils ont même capturé la cité impériale. Bonjour ZZ Bob, bienvenue sur le live. L'empereur a pris la fuite vers le nord, abandonnant Cyrodiil aux envahisseurs. Voici l'histoire d'un héros oublié, qui a changé le cours de l'histoire. Très chouette introduction, pour une fois qu'il n'y a pas de la 3D à tout va, que c'est du dessin, moi j'aime bien. Alors, choisir votre avatar. Moi, je joue toujours Khajiit quand je joue Elder Scrolls. Je suis un gros fan, j'ai envie de dire, comme beaucoup de gens, de Skyrim. Et avant ça, d'Oblivion. J'ai pas joué au plus vieux. Mon premier Elder Scrolls, c'était Oblivion. Elfes des Hautbois, Argoniens, les Bretons. Alors, on va lire un petit peu. Donc, les Elfes Noirs. En tant qu'Elfes Noirs, vous récupérez plus rapidement des cartes qui exploite les pouvoirs des morts. Okay. En tant que haut elfe, vous récupérez plus rapidement les cartes par rapport au sort. Impérial, vous récupérez plus rapidement les cartes construites. Grosse armée. Khajiit, vous récupérez plus rapidement les cartes construites pour attaquer avec vélocité. Ça me paraît un peu compliqué ça à jouer. En tant que nordique, vous récupérez plus rapidement les cartes récompensées. Okay. Orc, plus rapidement montrant votre capacité à mener d'autres orcs au combat. Mm-hmm. Rouge garde, vous récupérez plus rapidement des cartes en rapport avec les armes. Les cartes qui prennent les cibles diminuées. Et recommencer dans les longues parties. Ben moi, qui peut dire, je pense que je vais prendre les hauts elfes. Parce que j'aime bien jouer les magiciens. Et apparemment, c'est lié avec ça. Et lequel on va prendre, le haut elfe? Allez, je dirais lui. C'est parti, mon kiki. Reste-t-il quelques guerriers dignes de ce nom dans ce royaume? Ce nordique semble convenable. Faites avancer. Alors, ZZ Bob, est-ce que tu connais ce jeu ou est-ce que tu le découvres avec moi ce matin? Vraiment, c'est très bien fait. Cette esthétique qui peut être. En décourager certains, je peux vous dire que c'est exactement l'esthétique des cartes Spellfire et Magic. Donc, terminez l'acte 1 pour débloquer les modes d'entraînement et bataille en duel. Ben, allons-y, hein. Désolé, mieux vaut votre sang que... J'espère que le son est pas trop bas pour le jeu et pas trop haut pour ma voix. Sinon, n'hésitez pas à me le dire.
Bien, c'est parti pour le tuto. Comment ça se joue? Pourquoi ai-je l'impression qu'ils nous tueront quoi qu'il arrive? Les gars, c'est normal que j'ai pas de tuto là? Je pense que j'ai... Jouez votre créature. Placez votre créature dans la rangée. Ah ok. Il y a un tuto. Ok, donc je place ma créature dans la rangée. Placez votre créature dans la rangée. Placez votre créature dans la rangée. Je monte ma voix. Un peu plus la voix serait bien. Voilà, comme ça, j'imagine que ça sera mieux. Normalement, j'ai monté la voix, vous me direz si c'est mieux. Ok, donc j'ai placé la créature dans ma rangée, je continue. Quelqu'un nous dit « Vive le Gwent !» Je pense que c'est Apoification. Je pense qu'Apoification est dans la salle. Ça ne veut pas mourir. Alors, il a posé une deuxième carte, et il attaque mon héros. Ok, donc c'est un petit peu comme... comme... Okay. Bon, bah mon trotteur, il a 2 points de bouclier et 1 point d'attaque. Donc si j'attaque lui en premier, je dirais, je le sacrifie, mais au moins il me fait pas beaucoup mal. Ok, pour l'instant c'est 13 Hearthstone. Hein. Et j'imagine que je peux poser ça. Oh, les voix françaises sont canon, quoi. Ok, jusque là ça va. ZZBub, j'imagine que le son est un peu mieux maintenant. Tu pourras me confirmer. Il y a un ronflement désagréable. Ah merde. Alors attends, je vais faire... Je vais revenir tout de suite. Je vais changer un peu, du coup, les conditions du stream. Voilà. Un, deux... Espérons que c'est un peu mieux. Je sais pas pourquoi il y a un ronflement, comme tu dis, désagréable. J'imagine que ça ne doit pas être très agréable. C'est un petit peu ça. Bon, voilà. Tu me diras si c'est un peu mieux ou si c'est toujours pourri. Alors. Bon, du coup... Je pose ça là. Ils ne nous échapperont pas. Ça, je sais pas ce que c'est que cette jauge. Ah, c'est ma magie, d'accord. Ils ont de la bière dans le sang ou quoi? Vous avez pioché un objet. Jouez la hache d'armes lourdes pour améliorer l'une de vos créatures. D'accord, ok. Eh bien, on y va. Je la mets sur elle. Bah non, sur elle, parce que elle a beaucoup de points d'attaque. C'est bizarre ça, comment ça se fait que ça qu'un un son bizarre. Sinon ce que je ferais c'est que je changerais de micro si vraiment c'est trop trop désagréable. Je vous tiens. Mais non, j'aurais dû attaquer le héros. Là. Je suis un peu con. Réduisez la santé de votre adversaire à 0 pour gagner. Je vous emmène avec moi. Pour ceux qui connaissent l'univers Elder Scrolls, c'est vraiment cool de retrouver tous les clins d'œil et tout ça. Nous tiendrons notre ligne de front. Isgramor. Même les musiques font Elder Scrolls. Vous avez pioché une autre hache d'armes lourdes. Déployez-la sur votre créature. Comment ça se fait que le son est tout pourri, tout moisi, là ? C'est pas agréable pour vous, du coup, là. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Déjà, c'est bizarre que ce soit à 0, ça.
bizarre. Ah non, c'est celui-ci, je pense. Bon. Ah, vraiment étonnant. Vraiment très très étonnant. Bon, je suis désolé hein, si le son n'est pas parfait, les gars. On va continuer. Alors, j'ai une hache. Maintenant, terminez votre adversaire. Et là, on par les ossements de chauve. Tu es plutôt doué avec une hache. Si nous travaillons de concert, nous pourrions avoir une chance. Ma première victoire. Pourquoi le son se coupe trop bizarrement? Bien. Eh ben, j'imagine que je vais pouvoir choisir ce que je veux gagner. Alors, choisissons par exemple ceci. En gagnant des niveaux, vous pourrez améliorer les premières cartes de votre collection. Ok. Je suis Tyr, l'une des lames. Deux d'entre nous, une douzaine d'entre eux, cela semble un c'est combat très presque équilibré. C'est un mode histoire en fait. Bien, continuons. La plupart des parties se jouent sur deux rangées. Les créatures ne peuvent attaquer que les créatures ennemies de la même rangée. Attendez, je viens d'avoir un flash. Peut-être que tout simplement le micro grésille. Est-ce que ceci, on va le mettre là. Et on va augmenter. Un, deux. Je pense que ça sera déjà mieux comme ça. Ça devrait être plus audible. Bon, vous me direz. Choisissez une rangée pour votre trotteur. C'est pire. C'est vraiment, vraiment pénible, ça. Comment ça se fait? Ah ouais, c'est le micro qui a trop de gain. Alors on va faire l'inverse du coup, on va baisser le gain. Voilà. Et on va... Je suis désolé de vous faire subir tout ça. Je vais devoir parler, je pense, très fort et très très proche du micro. Mais bon, ça devrait marcher comme ça. Alors, Oui, mais on t'entend presque pas. Aïe aïe aïe, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe avec ce micro aujourd'hui? Quand vous déployez le membre de clan Orc, il renforcera l'une de vos créatures. S'en prendre à mon clan, c'est s'en prendre à moi. Voilà. Maintenant, attaquez l'acolyte de Boétia pour vous en débarrasser. On l'éclate et on passe notre tour. Leur trépas comblera. Ça se joue vraiment, vraiment comme Hearthstone, non? En tout cas, pour l'instant. Du coup, on va le sacrifier, lui. Voilà ma soif de sang. Champion. Ils s'agenouilleront devant le prince des complots. Invoquez un chasseur de Valboisé pour vous débarrasser d'une des créatures de votre adversaire.
Pandar vous maudisse. Ma lame a soif de sang. Bien. Ça se passe plutôt bien, là. Je leur briserai les os. Les actions fournissent des compétences à utilisation unique. Pour le pacte vert. Ça, c'est fait. Leur s'en plaira, Boétia. Votre adversaire est au bord de la défaite. Vous ne vous échapperez pas. Reeve vous mettra en pièces. Ah, nous avons gagné. Alors, médecin de Somenil. Invoque donner plus 0 plus 2 à vos créatures, donc 2 en défense. Quand le diablotin fougueux attaque, infligez 2 points de dégâts à votre adversaire. Ok. Où est-ce qu'on fait le deck ? Je présume que c'est Reeve. On ne peut pas permettre à ces mortels de révéler les plans du seigneur Narefim. Détruisez-les ! En tout cas, merci ZZBob de suivre ce live. Si les conditions sonores sont pas très bonnes, et je m'en excuse. Vous utiliserez de la magie pour jouer vos cartes. Ah ok, c'est comme les cristaux en fait. Ok, je comprends. Donc ça, c'est 1 point de magie, 3 points de magie, 2 points de magie. C'est vraiment pompé sur Hearthstone, hein, la vache. Je pensais avoir quelque chose de plus compliqué qu'Hearthstone, justement, un peu façon Magic ou Spellfire, mais c'est pas du tout le cas. Votre magie augmente d'un point à chaque tour. Ils mourront pour la gloire de l'Empire. Alors, par contre, on n'est pas obligé de tuer les monstres devant le héros. Donc c'est pas du tout comme Hearthstone par rapport à ça, on peut directement attaquer le héros. Alors, ça c'est pas mal, on va infliger un point de dégâts directement sur lui. Vous allez le payer. Très sympa ce jeu de cartes, hein. En fait, à la base, je suis pas du tout fan de Blizzard, moi. Du coup, je me retrouve plus dans les personnages et dans les musiques et dans le contexte de ce jeu, pour l'instant. Alors, on va mettre un... Parlez-moi de vos blessures. Et on va lui mettre à lui. Ça lui fait 4 en bouclier, ce qui est assez énorme. La Légion est prête. Donc, ça veut dire qu'on vous va allez tuer le payer. Ça, grosse carte, voilà. Pour le pacte vert. Pour l'instant, je me baignerai on s'en sort dans votre très, très bien. Alors, 3 points de dégâts, moi je dis. On lui pète sa grosse carte. Vous allez le payer. On attaque. Pas de quartier. Dites-moi où ça fait mal. Donc, comme on peut voir, il y a 2 zones de jeu, une à gauche, une à droite. Et ça, par contre, le tuto n'en a pas encore parlé, donc je ne sais pas du coup quel est le but, quel est le... l'utilisation et surtout l'utilité d'avoir du coup 2 zones de jeu. Nous tiendrons notre ligne de front. Au nom du Jarl, arrêtez. Vous allez le payer.
Pas de quartier. Dites-moi où ça fait mal. Je me baignerai dans votre sang. Bon, alors, je vais devoir te mettre un petit bourdonnement. Tu vas du coup beaucoup mieux m'entendre, je pense, mais tu auras un petit bourdonnement. Alors ça, c'est plus 4, plus 1. Oh, le truc, quoi. Genre, regardez, voilà. 7 points et on finit. Vous êtes plus fort que je ne le pensais, mortel. Mais pas assez pour empêcher l'abattage. C'est très très beau, les cartes, hein. J'adore. Mon maître pourra inonder ce monde de son obscurité. Victoire. Alors, ouvrons du coup nos récompenses. Vous reconnaissez la voix? C'est la voix de Morgan Freeman. À la rencontre de Lanette, une amie sorcière de Tyr, versée dans les affaires d'Hydra. Mais la route qui se dressait devant eux. Donc sur la droite, quand tu poses une carte, si c'est pas gardé, elle est dissimulée. Ah ok, très bien. Alors pour le son, je laisse comme ça en effet. Voyons, vieil homme. Nous savons que vous avez plus d'argent que ça. Et du coup, j'espère que vous entendez également le son du jeu. Rendre nos vies sera sûrement plus compliqué que prévu. Tous les 5 points de santé perdus, vous perdez une rune et piochez une carte. Ah ouais, d'accord. Tout le monde paye le prix. Ouais, pas mal comme première carte, ça. Il fait 2 points dégâts direct. Bon, on va commencer par le trotteur. Qu'est-ce qu'on fait? On met à droite ou à gauche? La bourse ou la vie? La puissance de Liszt me submerge. Ils sont en surnombre. Débarrassons-nous de certains d'entre eux avant d'être submergés. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai? Bon, j'ai celle-ci. Ils mourront pour la gloire de l'Empire. Le problème, c'est que je vais pas pouvoir le... Ah si, je peux tuer elle, je suis bête. Il a qu'un point. Et l'autre, on attendra le prochain tour. Vous ne me verrez même pas venir. Chaque fois que vous perdez une rune, vous piochez une carte. Votre serviteur commence à s'impatienter. Ah, on sent qu'il est plus virulent, lui, hein, par rapport aux autres. Les créatures avec charge peuvent attaquer immédiatement. Oh, c'est vraiment pompé sur Hearthstone, c'est dingue. Donc il peut attaquer immédiatement, mais est-ce que j'ai pas mieux fait de mettre ça? J'ai l'impression, hein. Genre, si je fais ça... S'en prendre à mon clan, c'est s'en ça, prendre à moi. Ça... Parlez-moi de vos blessures. Ça... Et là, forcément, j'ai un héros qui envoie du lourd. C'est un gadget. Tout le monde paye le prix. Du coup, j'attaque avec quoi? J'attaque avec mon orc et après je mets ça, je dirais. Je suis prêt. Hop, lui on attaque sans direct. Gloire. Et on va mettre au nom ça du ici. Yard, arrêtez. Lui, lui on sacrifie. Soif de sang. Vous allez le payer. Et dites-moi où ça fait mal. On va commencer à lui faire bobo. Pas mal ce système de runes là, le fait de quand vous enlevez des points de vie au héros adverse ou que lui vous envoie des points de vie, toutes les tranches de 5 points de vie, vous tirez une carte. Ce qui remonte du coup le joueur qui perd. On peut imaginer des stratégies où on fait exprès de perdre. Aïe, caramba.
Qu'est-ce qu'il m'a envoyé là? Ok, on va essayer du coup. Voilà, de les tuer tous en une fois. Ça, dites-moi, c'est fait. Ça fait mal. Vous allez le payer. Sang et gloire. Affronte-moi, Chalorque. Bon, là, clairement, il a eu mal. Prenez l'or et tirez-vous. Ouais, on commence à avoir beaucoup de points, alors les cartes sortent à foison. Bah là on peut le finir direct. Hein. Ça sert à rien, je pense, de faire durer le suspense. Vous allez le payer. Du coup, il faut voir s'il y a des healers pour récupérer des points de vie. Mais sinon, clairement, je pense que les parties sont plus courtes que Hearthstone. À la vue de ses compagnons terrassés, le dernier bandit tomba à genoux et lui dit que si le héros épargnait sa vie, il leur montrerait où les voleurs avaient caché leur trésor mal acquis. Mais le marchand réclamait la justice. Et qu'a fait votre héros ? Je préfère ça. Je préfère mettre 2 points de dégâts et 2 points d'armure. La clémence peut parfois être une vertu lucrative. Des gardes du domaine. Arrêtez ! Nous cherchons un renégat des lames qui ressemble à votre description. Il doit y avoir un malentendu. Quel genre de malentendu? Oh, le doublage français, il est trop beau, quoi. Vous pensiez que nous allions gentiment vous suivre. Ok, on continue alors. Le jeu est très léger, hein. Il fait seulement 1,2 giga. Ce qui est léger, finalement, pour un jeu de 2016. Les troupes du domaine ont 2 gardes et déjà en position. Ok. Ok, direct, comme ça. Avec 4 points d'armure, quoi. Laisse tomber. Au nom du Jarl, arrêtez! Par mes ancêtres, jamais je ne me rendrai. Les créatures gardes doivent être détruites avant de pouvoir attaquer d'autres ennemis dans leur rangée. Ah, voilà. C'est vraiment comme Hearthstone, là. J'arrête pas de le dire, je suis désolé, mais... Bon, je vais continuer de mettre... Ils mourront pour la gloire de l'Empire. Affronte-moi, Chalorqueur. Aïe, 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 ça c'était pas prévu. Oulololo. S'en prendre à mon clan, c'est s'en prendre à moi. Affronte-moi, Chalorqueur. Affronte-moi, Chalorqueur. Oh merde, quel débile, j'ai pas pensé à ça. Il fallait que j'attaque l'autre en premier. Oh là là. Et j'ai boosté à fond, il va se faire détruire. Ah, à mon tour d'avoir un garde. Alors du coup, on va mettre un garde ici. Et on va tranquillement attaquer lui. Et on va passer. La magie de Siraban me suit. Ah, il y a les cartes de heal, ça c'est cool. J'ai hâte de voir. Et pour l'instant, il me démolit là. Ça, c'est très très bien ça. Du coup, on va pouvoir mettre lui en garde.
On va mettre un point de dégâts. Bandar vous maudisse. Bah, à lui en premier. Je peux tuer lui ou pas? Ah ouais! Ça passe devant le garde, la magie. Ça, c'est bon à savoir. J'écoute et j'obéis. Ma lame a soif de sang. La magie de Siraban me suffit. Je suis à 15 points de vie déjà, donc c'est pas très bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer de booster lui. Parlez-moi de vos blessures. Donc, un point de dégâts ennemi, c'est parfait. Voilà. Du coup, lui... Pour le pacte vert. Il va tuer notre ennemi. J'écoute et j'obéis. Ma lame a soif de sang. J'aurais dû échanger à droite, en fait. J'aurais dû faire taper l'autre, je suis bête. Bon, ça c'est bien, on a fait beaucoup de nettoyage là. Salut Moineau, bienvenue sur le live. Ok, donc lui il vient de me remettre un garde, ce qui fait que je dois le frapper en premier pour pouvoir attaquer. Mais à gauche, je peux toujours attaquer. Comme ceci. Alors du coup, on va mettre une charge. Ça c'est pas bête. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? On va sacrifier lui. Et on va continuer d'attaquer. Dites-moi où ça fait mal. Leur temps est révolu. Il y a de fortes chances que l'on gagne. Jamais je ne me rendrai. C'est intéressant, on joue sur deux niveaux de jeu en même temps en fait. Il y a deux champs de bataille, on va dire. Alors, ma soif de sang. Voilà. Je m'occupe du rempart. La légion est prête. Dites-moi où ça fait mal. Sang et gloire. Prochain tour, il est mort. Un jeune enfant. Leur temps est révolu. Leur temps est compté. Dites-moi où ça fait mal. Ma lame a soif de sang. Pas de quartier. Et c'est la win. Bon, après, comme tous les jeux vidéo, quand vous gagnez, vous trouvez le jeu vidéo génial. Et quand je vais commencer à perdre, ça va commencer à me faire chier. Alors, ou je transforme en garde, ou en percé. Il fait quand même 6 en attaque. Hein. Moi, je dis, il me faut des cartes qui font mal. J'ai quelques gardes, mais pas assez de frappes fortes. La volonté écrase les ennemis par le pouvoir du grand nombre. Ok. Gagner... Un point de santé. Ah bah je peux healer là justement. Ils décidèrent d'éviter les routes. Mais évidemment, les contrées sauvages comportent leurs propres dangers. Je trouve ça vraiment, vraiment très, très sympa pour le moment. Alors, on y va. Les loups sont dissimulés à la faveur de la nuit. Vous ne pouvez pas les attaquer tant qu'ils ne sont pas montrés. Ok, donc c'est exactement comme le brouillard dans Hearthstone, encore une fois. Restez sur vos gardes, ou ces loups vont sortir de l'ombre et nous tailler en pièces. Alors attends, quand Diablotin fougueux attaque, infligez 2 points de dégâts à votre adversaire. Les créatures jouées dans une rangée ombre gagnent couverture pour un tour. Les créatures avec couverture ne peuvent pas être attaquées. Les créatures jouées? Ok. Rangée ombre. Les créatures entrent dans cette rangée, gagnent couverture. Ok.
C'est un loup. Ils mourront pour la gloire de l'Empire. S'ils nous foutent des loups qui hurlent à la mort chaque début de tour, ça va me péter les oreilles. Au nom du Yao, arrêtez! Vous allez le payer. Alors, invoquer un loup, j'ai pas le temps de le lire. Ah là là, dans l'autre rangée. Voilà, il m'a déjà bien pété tout ça. Les cartes support, une fois jouées, sont permanentes et fournissent des avantages sur la durée. Ah, excellent! Excellentissime. Alors du coup, je vais mettre à gauche. L'esprit de l'air, guide-nous. Ah, et c'est un support. Ok, là on est plus déjà à la magic. Ce qui est affronte-moi, Shalorker. Pour me déplaire. C'est vraiment un emprunt en fait de plusieurs jeux de cartes Elder Scrolls. C'était Elder Scrolls Legend. Mais je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est très 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 joli en tout cas. Infliger un point de dégâts. Ok. Donc j'ai 5 cristaux. Ah ouh, j'ai mon fameux percé qui est là. Qui fera très très mal. Mais qui a 4 points de dégâts. Non, 3 boucliers, ce qui est pas beaucoup. Alors ce qu'on va faire. Ce qui va tuer cet individu. Affronte-moi, Shalorker. Lui va mettre 4 points de dégâts, ça va me passer à 19, me faire tirer une carte du coup. Ah tiens, pourquoi ça a baissé son attaque? Ok. Il vient de couvrir la table de cartes, cet enfoiré. Alors, ça me semble très évident de vouloir sauver cette carte. Du coup, ils vont tous frapper dessus, mais ils n'arriveront pas à la tuer. Pour le pacte vert. Lui va me mettre que 2 points, c'est pas énorme. Est-ce que ça va me faire retomber du coup en dessous de 20 par tranche de 5 et retirer une carte sage, je ne sais pas. Ah oui, voilà. Ok, en plus je vais gagner un point de santé. Oh, les musiques de Elder Scrolls derrière, c'est trop cool quoi. Je suis tellement fan de Skyrim que, avec Amplification, on écoute les musiques en voiture quoi, tout le temps. Du coup, si j'avais une carte qui faisait moins 1 point à toute la rangée adverse, je l'explose. On va essayer de faire un truc assez moche. On va mettre ça ici. Et on va lui mettre ça. Et on va lui mettre ça. Quels sont les ordres ? Ça, je pense que c'est pas mal. Pour le pacte vert. Voilà. Voilà, c'est exactement ce que je voulais qu'il fasse. Bon là, il va perdre, je pense, directement. Parce que je peux déjà lui enlever 8 et 3. Ça sert à rien de jouer de l'autre carte. Et boum. Une fois débarrassé des bêtes, ils entendirent comme des gémissements, un louveteau recroquevillé. L'ont-ils pris avec eux ? Adopté, abandonné. Prophétie. Renvoyer une créature dans la main à son propriétaire. +2 en attaque,
tant que vous avez le plus de créatures dans cette rangée. Intéressant ça, j'adopte. Oui, ils ont pensé qu'ils pourraient grandir et devenir un puissant compagnon. Je n'ai pas abandonné un bébé loup, quoi. Attends, les gars. Infliger un point de dégâts à toutes les créatures ennemies étrangères. Ouh ! Détruisez une créature. Nous y sommes. C'est la maison de Nanette. Et elle grouille d'adeptes. Nanette doit être en danger. Dépêchons-nous. Ok, on continue notre aventure. Cette découverte ensemble. Les élèves de Boétia se précipitent vers vous. Vous arrivez trop tard. La sorcière est déjà loin. C'est drôle qu'ils aient repris les doubleurs en plus. Ombres. Par la reine des ombres. Ils s'agenouilleront devant le prince des complots. Eh, stop là. Au nom du Jarl, arrêtez! En garde! Aïe aïe aïe. Par la reine des ombres. Par la reine des ombres. Stupide mortel! Ils mourront pour la gloire de l'Empire. Affronte-moi, Chalorque! Ça commence mal, hein? Par la reine des ombres. Par la reine des ombres. Stupide mortel! Si vous piochez une carte prophétie quand vous perdez une rune, vous pouvez la jouer gratuitement. Ah. Faites glisser le guetteur de bois de gratte sur une rangée. Il y en a pour tout le monde. Ils s'agenouilleront devant le prince. Mais je suis con, j'aurais dû la mettre à gauche. Quel débile. J'avais pas vu que c'était toute la rangée qui allait mourir. En fait, quand il parle de rangée, ce serait plutôt des colonnes pour moi. Enfin. Alors, plus 2 et 0. On va faire ça. Par Irsine. Affronte-moi, Chalorque. Vous allez le payer. Deux points de dégâts à une créature. Aïe aïe aïe. Oh, même de l'autre rangée, quoi. Par la reine des ombres. Stupide mortel. Pour l'instant, il nous déboîte, hein. Là, j'ai une charge. J'ai 4 points, j'ai lui. Et j'ai une percée à 6 et 3 de bouclier. Vaut mieux que je joue ça. Pandar vous maudisse. Affronte-moi, Chalorque. Ce qui me fait chier, c'est qu'il va me tuer avec simplement une carte. Avec cette petite carte de merde. Voilà. Ouh la vache, un gardien puissant là. 5-5. Bon, là où c'est bon, c'est qu'on a fait pas mal de ménage. Qu'est-ce qu'on va faire du coup? Là je mets plus 1, là je mets 1 point de dégâts. Pandar vous maudisse! Ensuite on va lui rajouter 1 point et. Et on va. Ouais, on va le tuer. De toute manière, j'ai une carte sur le terrain et pas lui. Bon, le cours jaune est plus. Ok, mais c'est pas mal. Ça va. Là, on a un garde, ça va bien le faire chier. Et une charge à 3. On va faire ça. Quels sont les ordres?
Ah non, on va plutôt mettre ça. Assez joué. Cinq, six, sept, on va faire ça. Je suis prêt. Sang et gloire. Kawabunga. J'écoute et j'obéis. Bon, ce qui est chiant, c'est qu'on va lui faire tirer pas mal de cartes, là. Bah, lui aussi. Leur sang plaira, Boétia. Je me baignerai dans votre sang. Kinaret, l'esprit de l'air, guide-nous! Il y a un plan. Il y a toujours un plan. J'écoute et j'obéis! Oh la vache! Une prophétie! Sang et gloire! Ok. On a posé des balls, on est à égalité. Le problème, c'est que le jeu est complètement déphasé, comme vous pouvez voir. Le courage de Nerevar est avec moi. Leur sang plaira, Boétia. J'ai plus que 8 points de vie et lui 14 points de vie. C'est vraiment chaud, là. Alors, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je suis dégoûté. J'ai pas assez de points pour le finir. J'ai peur qu'il me tue. On va voir qui va gagner. Vous ne déjouerez pas mes plans. Sang et gloire. J'écoute et j'obéis. Bon, j'espère sincèrement que le gardien va tenir. Et qu'au prochain tour on gagne, mais là c'est un peu chaud ce que j'ai fait. Le courage de Nerevar est avec moi. Ils s'agenouilleront devant le prince des complots. Ah, c'est bon, on a gagné. Mais c'était un peu du bol, hein. J'écoute et j'obéis. Attendez. Nous savons où ils ont emmené votre ami. C'est beaucoup plus sobre que Hearthstone, beaucoup plus minimaliste, ça pète pas de partout, je trouve. C'est quoi ça? Ok, Morgan Freeman, je vais l'ouvrir. Ça y est, regardez, ça commence là. Il commence déjà à me demander des sous là. Ouah! C'est 100 pièces, 2 paquets 3 euros, 7 paquets 10 balles, 15 paquets 20 balles, 40 paquets 50 balles, 60 paquets 70 balles. Bonjour. Ok, jusqu'à maintenant je me disais, tiens, c'est drôle, on me demande jamais de payer. Même en bêta, on vous fait payer maintenant. Les adeptes avaient kidnappé la sorcière Lanette et l'avaient emmenée au nord. Ils comptaient l'utiliser pour réaliser une terrible prophétie. Ouais, exactement, Filka. Filkas, bienvenue sur le live, bonjour. Je n'aime pas ça plus que vous. Beaucoup plus adulte, je suis bien d'accord. Et nous n'avons pas d'argent. En plus,
Ce bateau appartient à des contrebandiers. Et surtout, et je crois que des intrus. Je crois que la nouvelle génération, entre guillemets, découvre un graphisme typiquement Donjons et Dragons. Et les anciens, comme nous, comme moi, on est ravis de revoir du coup ce type de dessin qui a pu vraiment bercer notre enfance. Alors, ajoutons vos nouvelles cartes à votre deck. Dans le constructeur de deck, le deck que vous éditez est à droite de l'écran. Les cartes dans votre collection sont à gauche. Yes, salut à toi. Alors, dans le constructeur de deck, les decks... Non, ok, c'est normal. C'est vraiment comme Hearthstone. Ou faites-la glisser depuis votre collection vers le deck pour l'ajouter. Bon, bah par exemple... Ça, je garde. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime pas, par exemple. Le Getter, là. Qu'est-ce qu'on aurait à mettre à la place? Comment je t'enlève le Getter, là? Maintenant, retirez une carte différente en la sélectionnant ou en la glissant en dehors de votre deck. Genre Trotter. À la plage, je mets... Les decks peuvent aller de 50 à 70 cartes. Ah, cool. Vous pouvez continuer d'ajouter ou enlever des cartes jusqu'à ce que le vôtre soit juste comme vous le voulez. Une fois que vous êtes décidé, sélectionnez terminé. C'est très très bien. Là, ça fait plus penser justement à une stratégie type Spellfire ou Gwent même. Le fait de pouvoir avoir 70 cartes dans la main, mais on peut très bien en avoir 50 dans la main, ce qui augmente du coup les chances de votre tirage. Ça, j'aime beaucoup, parce que Hearthstone, je trouve que c'est vraiment trop limité par rapport à ça. On vous oblige à prendre un nombre de cartes déterminé, vous pouvez pas en prendre plus ou en prendre moins. Alors, eh bien, allons-y. Donc ça, c'est nouveau, par exemple. Il vaut 0, ça vaut le coup, c'est une charge. Je prends. Donc, Diablotin fougueux. Inflige 2 points de dégâts, je vais en prendre 2. L'invocation d'âme crée de nouvelles cartes pour votre collection à partir de pierres d'âme. La capture d'âme permet de détruire une carte pour obtenir plus de pierres d'âme. Ah ok, très bien, c'est comme la poussière. Je joue depuis le tout début, il est vraiment gratuit. Parfois j'ai 5 tickets d'arène car c'est méga rentable, mais le fait que tu peux avoir tout gratuit. Pas besoin de glisser la carte, juste clic. Ah ok Phileas, merci pour les trucs et astuces. Le Getter, il est quand même pas mal parce qu'il vaut un cristal, mais il a 2 points. C'est vraiment une petite carte, mais qui fait chier depuis le début, on va dire. Donc là, ok. Qu'est-ce que j'ai en nouvelle carte, là? Invoquer, donner plus 1 aux autres créatures. Ça, c'est très très bien, ça. Récompense du niveau 12. Ah, ok, mais les cartes que j'ai, en fait, comment je vois les cartes que j'ai? Ça c'est 0, donc j'imagine que je les ai pas. Ok. Et où sont mes cristaux? Comment je sais combien de cristaux? Ah ok, 0. Très bien. Maintenant, c'est clair. Bon, eh bien allons-y comme ça. Alors, sélectionnez les cartes à remplacer. Voyons voir. Bah c'est pas mal, Ouais non, c'est pas mal. Je garde. Du Jarl, arrêtez. Je vous avais dit qu'il était intéressant, mon guetteur de mortal. Alors, ça fait très très mal depuis le début. On va le mettre à droite. Affronte-moi, sale orqueur. Et on commence. Comptez sur moi. Il a une épée qui brille. Coup fatal, c'est quoi ça?
détruit n'importe quelle créature à qui il inflige un dégât. Essayons de les éviter. J'ai bien fait de mettre mon gars à droite là. Alors, invoque 3-3. Ok. Voilà. On le tue. Et on continue. J'espère que vous entendez assez bien le son du jeu, qui est vraiment mais extraordinaire, quoi. Ça fait du bien d'entendre ces musiques. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va infliger un point de dégâts, ça c'est pas... Alors, est-ce que je peux infliger un point de dégâts à un mec dans le brouillard? On va essayer parce que j'ai pas encore essayé. Oui! Eh ben, j'ai bien fait de faire ça. Que Sovngarde vous emporte! Bon, pour l'instant ça va très bien, mais on lui fait tirer beaucoup de cartes là. Je tiens mes pouvoirs de ces arbres. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Quand oratrice de List est en jeu, votre magie maximum est augmentée de la puissance de List me submerge. Le marcassin cornu. Directement venu de Wallonie. Alors, j'ai pas de garde là? Non, j'ai pas de garde, ça c'est dommage. Avec le marcassin, alors. Qui devrait bien l'embêter. Ce qui me saoule, c'est qu'il va tuer ma carte. Là. Mais on l'a déjà presque tué, quoi. Ça s'est plutôt passé très vite, cette partie, par rapport à la précédente. Ah, merci, oui. Merci de ta confirmation, Phil Cass. Filka, je sais pas comment on prononce ton pseudo. Et nous avons gagné. C'est déjà fini. Qui vous envoie? Vous ne semblez pas. Hé! Hey, que se passe-t-il ici? Des gardes du domaine. C'est rigolo, hein? Un mode histoire avec des cartes comme ça. Beaucoup plus mature et vivant que. Hearthstone. Il partageait un ennemi commun. Le contrebandier qui répondait au nom de Nage la Nuit accepta de mettre les voiles vers le nord à la recherche de la sorcière. Nage la Nuit. Donc j'ai un nouveau héros, j'imagine. Ah, nous avons terminé l'acte 1. Le contrebandier du Marais Noir. Nage la Nuit, vous aurez besoin de l'aide de la guilde des voleurs pour vous faufiler pardon, à travers Cyrodiil. Vous pensez être assez agile pour me rejoindre. J'ai cru que ça allait planter. Ça rend la vie marine plus intéressante. Et les pirates, vous aimez? Non, ce sont de vraies ordures. Traiter un honnête contrebandier comme un marchand ordinaire. Il n'y a pas d'honneur chez les crapules. Oula, on va devoir affronter des pirates. Vous avez gagné un nouveau deck. Un deck peut contenir des cartes de deux attributs. Votre premier deck utilisait force et volonté, le nouveau, agilité et endurance. Ok. On va donc regarder ça. De toute manière, j'ai 54 sur 50. Pour l'instant, je possède pas d'autres cartes. On va l'essayer. Ok, très bien. On va essayer le contrebandier du Marais Noir. Mais c'est une femme! Une femme pirate! Un bateau pirate, fait des allers-retours sur la mer. Vous apercevez un pirate sur la proue. Quand vous démarrez en second, vous commencez la partie avec un élixir de magie bonus. Vous pouvez l'utiliser pour un gain de magie temporaire. Ok. Donc en gros, ça vous donne un cristal en plus.
Envoyons ces maudits voleurs goûter à l'eau salée. Alors, je vais pas prendre la 4. Le reste, je vais garder. Celle-ci est très intéressante, je trouve, dès le début de jeu. Plus 6 en bouclier, ça fait très mal. Et j'ai une carte plus 3. Ouais, ça va être compliqué de démarrer par contre. J'aurais peut-être dû virer la 3. On va voir comment ça se passe. Restez vigilants, compagnons, ou cette tempête va vous envoyer valser. Action. Coup fatal. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Bah rien du tout, parce qu'on peut rien faire du tout. À moins que... Comptez sur moi. Le chien. Du coup, je vais essayer de frapper. Wow! What the fuck? Les cartes peuvent changer de niveau. De niveau de... Comment on appelle ça? Après, je peux rien faire, putain. Gagner plus 1 de magie maximum. C'est pas mal, ça me permettrait d'être à 4. Mais je vais peut-être quand même simplement faire ça, ce qui devrait énerver fortement mes équipiers. Par mon honneur. Mes adversaires, pardon, pas mes équipiers. Meurs, misérable chien. Ouais, bah fais-moi tirer des cartes, là, j'en ai besoin. Alors, poison carnassier, gagne plus 2-0 au début de votre tour. Aïe, aïe, aïe. Alors, moi j'aimerais bien mettre un coup fatal en fait à la carte du haut, donc je vais prendre ça. Est-ce que j'ai quoi là? Ah, ou alors ça pour faire chier l'autre côté, c'est pas mal aussi. On va plutôt faire ça, j'ai besoin de force en fait. Nous avant. Retournons tous à la fin, mon honneur. Bon, lui on va le tuer en une fois du coup, c'est pas plus mal. Qu'est-ce qu'on a? Garde régénération. Se soigne au début de votre tour. Les gardes doivent être attaqués en premier. Ok. Là on avait un coup fatal de nouveau. Qui vaut 4 points. Ce qui peut être pas mal hein. Ce serait d'en mettre un deuxième ici. Et on continue. Comme vous, j'aimais l'aventure. Il va me faire bobo, lui. J'ai beaucoup de coups fatals, en fait, hein, avec cette classe. Alors, on va mettre une gêne... Oui, on fait ça. Ça. Et Wamassu a des dents. On va commencer à attaquer le héros. Parce que je suis à 18 là, quand même. Ah si, c'était écrit. Piocher une carte de quoi? Aïe, aïe, aïe. Ne me testez pas, canaille. Ah, ce côté aléatoire de la soufflerie, là. Invoquer la reine des neiges. Ah non, le renard des neiges. Ça vaut 7 points. C'est un... Tenez un coup fatal à une créature. Moi je dis, il faudrait qu'on invoque des monstres, on en a besoin. Donc on va mettre un coup fatal ici. Vous offre quelque chose de savoureux. Voilà. What? Qu'est-ce que j'ai fait là? Merde, j'ai donné coup fatal à l'ennemi! Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais quel débile! C'est pas possible. Ok. Là j'ai fait de la merde. C'est un beau jour pour combattre. Il fallait bien que ça arrive à un moment. Ne me testez pas, canaille.
Aïe, 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 aïe. Comme vous, j'aimais l'aventure. Magnus, dieu de la magie, sois à mes côtés. Voilà, clairement, on a pris cher, là. Ça va être compliqué de revenir. Hein. Oh là 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 là. Il est en train de nous faire un petit combo, là. Allez, il peut me tuer en une fois. Si j'ai pas un garde, il me tue. Si vous avez plus de points de santé que votre adversaire... Bon, laisse tomber, je lis même pas la suite. C'est la fin, déjà. C'est moi qui commande ici. Je doute que je puisse faire grand-chose. Ce Wamasu a des dents. C'est réservé aux clients. Marquez jugera votre âme. Ne me testez pas, Kalai. Par l'œil de Magnus. Ainsi c'était écrit. Pour remonter, pas, il me faudrait un sacré coup de bol. Hein. Ok, on respire et on y va. J'ai 9 points. Déjà faire ça. Puis ça. Puis ça. Le Wamasu a des dents. Puis ça. La puissance de l'Justice Suprême. C'est réservé aux clients. Je sais pas combien de temps ça va durer, en tout cas, j'ai fait de mon mieux, on verra bien. Honneur et louange. Nous amènerons le combat jusqu'à eux. Aïe 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 aïe. Comme vous, j'aimais l'aventure. Aïe 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 aïe. Ah bah non. Non. C'est la fin, votre mes amis. Votre serviteuse vous offre quelque chose de savoureux. Misérable peau sèche. Vous ne verrez même pas venir. Oh. C'est réservé aux clients. Non, il va me tuer. C'est la fin. Meurs, misérable chien. Ok, on va recommencer, et cette fois, on va prendre notre revanche. Fallait bien que ça arrive, hein. J'ai fait de la merde, là. J'ai fait beaucoup de merde de suite, mais faut... C'est comme ça qu'on apprend en même temps. Moi, je vais reprendre mon premier deck, là. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de poison sur les armes là qui tuent en une fois et j'aime pas trop jouer comme ça. J'ai volé cette cargaison sans tricher. Envoyons ces maudits voleurs goûter à l'eau salée. Ouais, j'ai vu, j'ai mal joué. J'aurais dû faire la carte qui valait 7 cristaux avec le moins 1 sur tous les ennemis. Et en effet, je pense que ça aurait été mieux. Bon, regardez ce qu'on va faire là. On va déjà beaucoup plus s'amuser. Au nom du Jarl, arrêtez! C'est dégueulasse, on va en foutre partout comme ça, voilà. Meurs, misérable chien! Mais voilà un beau tirage, comme on les aime. Ça va être bien chiant pour lui. Et je dirais même
méga chiant pour lui. Je sais pas ce que vous en pensez. Affronte-moi, sale orgueil. Ah bah ça change tout là. Là, il m'a énervé là. Charge 3-3, on va directement lui péter sa carte. Affronte-moi, sale orgueil. Ça va durer beaucoup moins longtemps là. Donner à une créature, c'est l'orgie totale là. Le pauvre, il va vraiment souffrir. Oh là là là, ça c'est encore pire ça. Double garde du coup, on fait ça. Par notre servitude, nous honorons Kin. Affronte-moi, sale orgueil. Ça c'est fait. Honneur et louange. Comme vous, j'aimais l'aventure. Ah bah c'est très bien ça. Merci le vent. Alors, on va faire ça. Il est temps de se battre par les feux d'Alduin. Par les feux d'Alduin. C'est quoi sa prophétie? Ok. 5, 6, 7. Ah, c'est la fin. Hein. On va quand même lui péter sa carte. Vous échapper. Et on le tue au prochain tour. Ainsi, c'était écrit. Beaucoup plus facile, n'est-ce pas? Et voilà, il est mort. On va pas faire durer le suspense plus longtemps. Affronte-moi, sale orgueil. Ma vengeance, dites-moi où ça fait mal, aura été brutale. La jouer gratuitement si vous l'avez pioché après avoir perdu une rune. Ok. Silence à une créature. Bon, très bien. Il n'y a aucun signe de Lanette. Vous pensez que la collision les a tués? Peut-être. Ou peut-être que c'était les occupants. Moi qui pensais jouer à ce jeu à reculons, je suis à fond dedans, quoi. Alors, je sais pas si parmi les Twitchers connectés, là, parmi les viewers, s'il y a des gens qui ont joué au jeu. Je sais qu'en tout cas, que Filka, sous Filka, c'est le cas. Oh là, on va tout remplacer. C'est un peu mieux. Il m'a lancé un vazar. C'est sûrement son familier. Qu'est-ce qu'on fait? On peut le faire méga chier depuis le début avec ça. Ils mourront pour la gloire de l'Empire. C'est très très addictif, je confirme. Alors, invoque. Je pense que c'est pas mal du tout. Parlez-moi de vos blessures. Au nom du Jarl, arrêtez! Vous allez le payer. Ça va m'enlever 2 points, ça va me faire qu'il va me rester. Non, c'est bien, parce qu'il peut pas me tuer encore avec ça. Aïe! Vous gagnez 1 point de santé quand vous invoquez une autre créature. Très bien. Ça me va.
On va plutôt jouer ça. Dites-moi où ça fait mal. Bim. Bon, il a que deux en bouclier, c'est pas terrible. J'espère qu'il va pas me pourfendre. On va essayer de faire un truc, c'est qu'on va mettre ceci. Il y a un plan. Il y a toujours... Puis on va invoquer ça. Puis on va mettre ça. La légion est prête. Et lui, du coup, il va gagner. Voilà. On va le sacrifier, notre ami. Où ça fait mal. On a bien fait de le monter. Et suivant. Ouais, j'avoue, c'est vraiment très très bien. Je suis tout à fait d'accord avec vous deux. Puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On fera peut-être d'autres lives du coup. Et j'imagine qu'après il y a un mode online pour jouer ensemble, que c'est pas que du solo. Donc si vous voulez qu'on se fasse des parties, ça serait cool. Voilà qui tombe à pic, ça. Vous ne déchouerez pas mes plans. Pas de quartier. Infliger un point de dégâts à tous les ennemis. Alors ça, c'est vraiment, vraiment très cool. Pas de quartier. Vous ne déchouerez pas mes plans. Bon, par contre, je lui donne un paquet de cartes, là. Si vous avez plus de points, votre adversaire vous piochez 2 cartes, mais c'est magnifique! La change tourne! Donc, eux, ils vont forcément vouloir me le tuer. Pas de Donc, en attendant, on va vous simplement ne déchirez pas mes plans. Le foutre par terre. Les arènes, c'est terrible. Après, quand tu vas débloquer bientôt. Ah, cool. Je t'ajoute en ami. Eh ben, tu peux m'ajouter avec plaisir. Mon pseudo, c'est Berrychon. Berrychon. Pour l'instant, il se passe exactement ce qu'on avait prévu. Donc c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je pense qu'on va foutre lui KO. Puis... on va mettre ça ici. L'esprit de l'air, guide-nous. Et on va abattre ceci. Vous ne déchouerez pas mes plans. Ah oui, j'ai pas vu. Exact, c'est écrit en bas à droite. Du coup, c'est quoi? C'est des amis, ça, j'imagine. Ah bah voilà, requête d'amis. Filcas, tiens donc. Voilà. Ça, c'est fait. Bon. Ouf, 9. C'est pas mal, mais il n'est pas protégé. On va pas le mettre maintenant. On va déjà mettre le garde à 6, 7, 8. Ça, c'est pas mal. Regardez. Hop. Je suis prêt. Puis une charge de 2. Et un bouclier de 4. Ce qui veut dire que c'est pas terrible. Ce qui veut dire que je vais essayer de l'avoir direct. Abattez-les! Vous ne déjouerez pas mes plans. C'est très mathématique comme jeu, hein. On n'arrête pas de compter.
Eh bien, en toute logique, je pense que nous avons gagné. Allez, vous ne déjouerez pas mes plans. J'aime pas faire durer le suspense. C'est comme les gens, quand vous jouez à Hearthstone, qui, au lieu de vous tuer tout de suite, sortent toutes leurs cartes, quoi. C'est insupportable. Alors que l'esprit gant tombait mort, les voyageurs aperçurent l'un d'entre eux qui leur faisait signe de le rejoindre dans les bois. Nag aurait suivi. Mais Mère dit toujours que celui-ci est trop curieux. C'est la voix, alors pour ceux qui connaissent, c'est la voix d'un des fantômes dans le film Casper. Quand vous gagnez des points de santé, Springan Verdoyant gagne autant de points de puissance. Bah, il me manque des cartes héros. Là, j'ai beaucoup de trucs pour booster, je trouve. Alors, je vais prendre lui. Du coup, il va falloir que j'ai des cartes de healer. Cette curiosité fut une aubaine pour les voyageurs. Pour des raisons inconnues, la créature les mena directement vers leur proie. Alors, ZZ Bob, je vais regarder tout de suite si j'ai ta demande. Bob, 91 ou 91. Voilà, vous êtes ajoutés tous les deux. Alors, qu'est-ce que je fais ? Invoquer et piocher une carte, si elle coûte 7 ou plus, son coût est réduit de 2. Prophétie, coup fatal, garde. Bah, je prends très clairement ça. J'ai un nouveau deck encore. Alléluia, vive les cartes. Les adeptes avaient trouvé refuge dans une ruine ancienne, uniquement pour se retrouver victimes. Mais de rien, j'espère qu'on aura plaisir à jouer ensemble du coup. J'aurais bien besoin d'un coup de main. Je sais pas du coup quand est-ce que je vais pouvoir débloquer le mode multi. J'ai continué avec mon deck actuel. Histoire que j'avance un peu, j'aimerais bien en faire une avec vous après. Je pense que j'arrive bientôt à la fin du tuto. Merci de m'avoir sauvé. Est-ce que tous les adeptes sont morts? J'en ai bien l'impression. Restons prudents, sinon ce sera notre tour. Alors, pas mal du tout. Très bien. Alors, mes flèches frapperont leur cible. Allez, on commence directement par lui faire bobo. Eh bien, il a décidé de m'ennuyer, lui. Aujourd'hui, nous serons victorieux. Ah, c'était pas la première carte de mon deck? Ah mince. Ah d'accord, c'est la première carte du deck que je lance. Pas de ce que j'ai posé sur le tapis. Ok, il faut apprendre encore une fois. Tu es pas à la fin encore, il y a 20 chapitres, mais finis le mode histoire pour tout débloquer. Ah ok, très bien. Merci Filka. Faites attention, ces gobelins avaient un chef puissant quand je suis arrivé. Nous ferions mieux d'en exécuter le plus possible avant qu'ils ne reviennent. Bon. Que Sovengarde vous emporte. On va déjà buter son garde. On va booster. Ah, attends. Ça va grave le faire chier, mais il n'y a que deux au bouclier, donc ça m'arrange pas beaucoup. On va plutôt faire.
On va... Parlez-moi de vos blessures. On va la jouer comme ça. Ce qui fait que je vais faire très très mal. Ah non! Ah non, j'ai cru qu'il y avait du poison. Comme ça. Un gros tank. Que Sauvengarde vous emporte. Oh, une prophétie. Détruisez une créature. Ok. Bah, clairement, toi. Ça va commencer à être rigolo. Que Sauvengarde vous emporte. Je vais commencer à faire mal. Mais bon, on va voir ce qui se passe. Ah, fermez les yeux et regardez, on dirait que nous sommes dans les plaines de Skyrim avec cette musique. Je suis très content d'avoir découvert ce jeu parce que pour tout vous expliquer, j'ai reçu No Man's Sky pour le test sur PS4. Et j'étais super content du coup de découvrir ce jeu. Sauf que c'est pas moi qui devais faire le test. On est donc à la base, pour la petite histoire, je suis rédacteur sur pixelbarbecue.com. C'est pixelbbq.com. Je vous invite d'ailleurs à follow notre page Facebook et à voir le site. Et j'ai dû donc donner le jeu au rédacteur que j'ai vu hier en IRL. Et j'ai dû me séparer de No Man's Sky, mais pendant 3 jours, j'ai dû faire 15 heures de No Man's Sky, j'étais à fond dedans, quoi. Bien, je vais à 3615 My Life, c'est fini, et on va maintenant jouer. Je vais garder précieusement ma quête, donner 1 et 1 à une... Alors plus 1 en attaque, c'est pas mal du tout. Je vais mettre ça ici. C'est s'en prendre à moi. Je me tiens ici. Pour la gloire de l'Empire. La Légion est prête. Du coup, lui sera encore vivant avec 5 d'attaque après. C'est pas mal de faire ça. Voilà. Lui, il sera encore vivant aussi. Voilà, il est mal barré, notre ami en face. Absolument que je paye cette carte là. Alors, quand j'ai bloqué un fouratin qui inflige 2 points de dégâts à votre adversaire. Donc, ça c'est très bien. Parce que j'ai la copie de la sainte dorée de l'autre rangée. Allons-y. Ça fait quand même plutôt plaisir. Alors, 5, 6, 7. Bon, voilà, on peut finir. Ah, qu'est-ce que c'est? Soif de sang. Que Sauvengarde. Il veut pas me laisser finir, mais si, c'est fini. Victory. Lanette avait appris que le culte était secrètement dirigé par le seigneur Marifin, le seigneur de guerre du domaine, qui avait capturé la cité impériale. Pour réaliser la prophétie, il entendait sacrifier tous les habitants de la cité. Lanette suggéra de partir à la recherche de l'armée impériale. Quand je joue à des jeux comme ça, j'ai juste envie de... Pour avertir l'empereur d'être habillé en espèce de mec médiéval, quoi, et d'aller dans un château. C'est trop trop bien. J'adore l'ambiance. Ambiance médiévale power pour ce dimanche matin ensemble.
Enfin, il est déjà midi 20, hein. Le temps file. Je n'aime pas ces bois. C'est le plus court chemin que je connaisse pour bord de ciel. Mais pas le plus sûr. Ah oui, en effet. Les araignées. Je continue avec mon groupe survivant que j'aime bien. Là. Pour l'instant, ça se passe bien avec. Alors, avançons. Bien, bon tirage. Qu'est-ce qu'on fait? On joue la sécurité, on frappe direct. Au nom du Yarl, arrêtez! Donc en face, l'épée verte, ça nous montre que s'il me frappe, je vais directement perdre ma carte. C'est une lame empoisonnée. Ce qui est pas cool. Du coup, ça sert à rien de mettre ça maintenant. Je vais plutôt mettre ça. Et affronte-moi, alors que... Lui va vouloir tuer ma carte, donc autant que je lui fasse perdre 2 points de vie. En tout cas, c'est ma logique. Ah, il a pas tué ma carte, le bouc. Alors, plus 2 en attaque, c'est pas mal. Et ça me fera attaquer l'autre. Voilà, c'est plutôt ça qu'il me faudrait. Ça va bien le faire chier. Bon, affronte-moi, Chalorker. Mais à droite, il y a quand même beaucoup de gens. Lui, il est immobilisé. C'est comme le gel. Ce qu'on pourrait faire. Plus 2 en attaque. Ça va me faire dépenser ça. Mais il y a un bouclier de 3. 3 points de dégâts. Très clairement, lui péter sa carte, ça me semble être la meilleure option. Et continuer avec lui. Il n'est pas content que je lui ai pété sa carte super. Alors, bon, on a plein de cartes, il a une carte, ce qui est plutôt cool. Mes flèches frapperont leur cible. C'est très bien. C'est pas très grave pour l'instant. Lui a plus de cartes. On est plutôt bien parti, je pense. Même si on a moins de points de vie. Alors, donner plus à une créature, est-ce que c'est utile?
j'ai envie de dire pourquoi pas, Jean, lui. S'en prendre à mon clan, c'est s'en prendre à moi. Et lui. La Légion est prête. C'est pas mal aussi, je pense. Affronte-moi, chaleur que. On casse ça. On casse ça. Et on casse ça. Voilà. Elle fait un peu de ménage. Voilà, à partir de maintenant, il va avoir mal. Hein. Déjà, on va mettre un garde tout de suite. Attends, c'est quoi ça? Ah, ok. Il y en a pour tout le monde. Je dis pourquoi pas. Malame a soif de sang. Feu! Bas de quartier. Ouais, bon, là. C'est la fin pour notre ami. Voilà ma soif de sang. Bas de quartier. Victoire. Dans l'étoile d'araignée, ils trouvèrent un marchand aux elfes qui appelait à l'aide. L'ont-ils libéré? Ils pourraient révéler leur emplacement au domaine. Celui-ci aurait pris son or. On peut lui voler son or. À la fin de chaque tour, piochez une carte si vous avez joué deux actions. Oh, attends, mais c'est génial ça. Bien sûr, je l'aide. Les voyageurs ne voulurent pas le laisser mourir, quel que soit le risque encouru. S'il y a une créature ennemie blessée par cet ranger, donnez charge à Trappeur de Silveran. Donne charge. Cool ça. Ah, personne dans cette taverne ne sait où peuvent bien camper les forces de l'empereur. Oh, une taverne, je me ferais bien une bière, moi, les impériaux. Une taverne. Une petite bière du dimanche. Alors, on va... Ah non, je voulais faire mon deck. Ah bah non, si, ça a marché. Je voulais simplement mettre, du coup, la nouvelle carte que j'ai eue. Où est-ce qu'elle est? Tiens, je pensais avoir une carte. Ah bah si, voilà, ici. Voilà, du coup, on va mettre ces nouvelles cartes, ça fait 58. La bagarre de la taverne. Ça me donne soif. Est-ce qu'ils essaient de nous tuer? Ce sont des assassins? Des agents du domaine? Ce sont des nordiques. C'est ce qu'on fait pour s'amuser. Aïe. J'aurais pas dû. Oh là. Tu ne fais pas peur, sale Ragnar. Je reçois des bouteilles. Ah, c'est la cata, je peux rien faire quoi. Ah, j'ai quand même... Là, y a qu'une seule rangée là. Quels sont les ordres? C'est rigolo comme le gameplay évolue du coup avec ce système de colonnes et de rangées. C'est très bien foutu. Que les trolls vous saisissent! J'écoute et j'obéis. Ces bois m'appartiennent.
temps de se battre. Ah merde. Que les trolls vous saisissent. À l'attaque. Je prends l'avant-garde. J'ai connu pire. On va lui supprimer son support, ça va bien l'énerver, j'imagine. J'écoute et j'obéis. Allez, on force. Il est temps de se battre. Il est temps de se battre. Aïe, aïe, aïe. Que les trolls vous saisissent. Mourez, vermine. J'ai pas du tout de chance dans mon tirage, hein. Puis en plus il fait mal. Hein. Absolument, je pète lui. À l'attaque. Oh là 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 là, mais combien il m'a enlevé là? En un tour, il m'a enlevé 10 points. Ok, créature alliée plus 1. Il me faut plus que ça. Hein. Charge, ça fait deux. J'ai pas le choix. Enfin, je suis prêt. Charge. Sang et gloire. Lui, je peux pas le laisser. J'écoute gagner. Et j'obéis. Voilà. Voilà, on l'a un petit peu nettoyé. Ne vous en faites pas, je maîtrise la situation. Par les feux d'Alduin. Soldats, suivez-moi. S'il me tue pas, oh, c'est dangereux de la mettre maintenant. Mais qui sait, peut-être qu'il arrivera pas à me la tuer s'il a pas de charge. Et selon les vrais neufs d'un coup. Moi je dis ça se tente. C'est dangereux mais ça se tente. Venez vous réchauffer. Ça devrait être bien. Bah j'ai bien fait de tenter, je pense. Scoot ball. Ok. Je vais mettre un garde devant, ce qui va encore plus le faire chier. Ça me paraît pas mal. On lui enlève 9 direct. Et là, il va vraiment galérer. Tu ne me fais pas peur, sale Ragnar. Votre heure est venue. Aujourd'hui, nous serons victorieux. S'il n'a pas de garde, il perd. Ah voilà, il perd. On va pas mettre plus de suspense. Hein. 9 et 4. S'il n'y a pas de prophétie... Ça devrait être bien. Non, mais c'est la fin. Voilà. Victory. Bon, c'était un petit peu risqué ce que j'ai fait, mais c'est passé. Ça, infliger 2 points de dégâts à une créature ennemie ou 2 à un allié, c'est très très bien ça. Pour analyser vos progrès jusqu'à présent, sélectionnez Profil.
L'écran de profil affiche votre collection, vos quêtes en cours et bien plus. Vous pouvez également y changer le portrait de votre avatar et votre titre à mesure que vous en gagnez de nouveau au combat. Terminé chapitre 14. Progresser à travers les étoiles dans des... Du coup, je sais pas quel chapitre je suis. Je vais me calmer parce que j'ai à 64 là. Vous pouvez désormais affûter votre deck dans une bataille d'entraînement ou contre d'autres joueurs dans une bataille en duel. Cool. Vous pouvez également continuer vers le chapitre suivant de l'histoire de votre héros. Ça y est, je peux faire des duels. Allez, on va voir ce que ça donne. Mon premier duel. Temps d'attente estimé 11 secondes. Garon 37 sera mon premier ennemi. Tirage. Nous sommes prêts au pire. Réduis ton deck à 50 cartes. Ah ok, Filka, merci du conseil. Je ferai ça du coup, prochain coup. Honneur et louange sur vous. Ça n'a rien de personnel. Capable de faire mieux. Nous tiendrons, quoi qu'il en coûte. Ça n'a rien de fait. Ça sent. Ça commence très mal, hein. J'ai vraiment un tirage pourri. Ok, un point de dégâts. Alors que lui, il a déjà 5 en face. Ça sent la merde là. Au nom du Yarl, arrêtez! Pandar vous maudit! Kinaret, esprit de l'air, guide-nous! Oh là là, mais je suis tombé sur un joueur qui a déjà des super trucs. Donnez plus de garde à une créature. Ok. Par notre servitude, nous honorons Kin. Ça n'a rien de personnel. Alors que... Vous ne pouvez pas vous échapper. La roue tourne, cher Garon 37. Ne me faites pas rire.
Aïe aïe aïe, ça sort les boules là. Alors, qu'est-ce qu'on va lui faire, lui? On peut lui infliger un point de dégâts, ce qui va le rendre déjà assez énervé. Et ensuite, je renvoie un point de dégâts ici. Attends, ça fait 2. Ou alors je mets un autre garde en face, ça fait 3. J'inflige un point de dégâts. Ou je donne 2-2 et je le tue direct. Ça, c'est pas mal aussi. On fait ça. Résistons ensemble pour la crevasse, pour le pacte vert. Et ensuite, je mets un garde ici. Et je lui tue celle-ci. Vous ne pouvez pas vous échapper. Affronte-moi, Chalorque. Oh là là, cette carte cheatée quoi, laisse tomber. Alors, j'inflige un point de dégâts, ok. Je mets un garde de niveau 4-7, c'est pas mal aussi. J'inflige un point de dégâts. Bon, je dirais, je mets le garde... Attends. Quoique... +2, +2, ça veut dire que ça fait 4. Donc je le tue avec une petite carte et je garde la 2-2. Ça c'est pas mal, et ça vaut que 1. Faisons ça. Voilà. Retournez d'où vous venez. Voilà. Ensuite. Je fais ça. Et je fais ça. Ce qui va fortement l'énerver. J'écoute et j'obéis. Vous ne pouvez pas vous échapper. Affronte-moi, Chalorque. Bon, par contre, il a plein de cartes là. C'est très dangereux pour nous. Ok. Quels sont les ordres ? Disparition. Ouh. Prophétie invoquée. Infliger un point de dégâts. Bon. Voilà. Affronte-moi, Chalorque. Mes flèches frapperont leur cible. J'écoute et j'obéis. Vous ne pouvez pas vous échapper. C'est chaud. L'entraînement est terminé. Il est temps d'agir. Ils n'ont aucune chance de me battre. Votre heure est venue. La Légion est prête. Ok, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On verra bien ce qui se passe. Que Sovngarde vous emporte. J'écoute et j'obéis. Vous ne pouvez pas vous échapper. Que Sovngarde vous emporte. Feu. Bon, tout va se jouer sur ce tour. C'est chaud. On va voir ce qui se passe. C'est très 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 serré.
palpitations. Tellement je suis à fond. S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous ne pouvez pas me vaincre. Il est en train de cogiter là. Je suis votre mort. Il a encore 9 cristaux. Hein. Donc vraiment tout peut arriver là. Les griffes de Khajiit sont nombreuses. Nous sommes prêts au pire. Oh mais non! Pourquoi j'ai cette carte de merde qui sort? Oh my god. Que Sovngarde vous emporte. Pas de carte. Et c'est la win. Wouhou. Premier duel online que nous remportons. Je suis trop content. Voilà, c'était la fin de ce live. J'espère que vous aimez, que vous avez aimé découvrir Elder Scrolls Legend avec nous. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner à la chaîne Twitch, à notre Facebook, vous avez tout le détail en bas. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres lives, en tout cas ça c'est certain, sur ce jeu extraordinaire de cartes dans la série des Elder Scrolls. Moi je veux ça. Et puis à très bientôt. C'était Berry, je vous souhaite un très bon dimanche et au plaisir de vous revoir avec mes copains. Ciao. Et merci Philcas et merci ZZ Bob pour tous vos précieux conseils. À bientôt. Bye.